Donc, à ce midi, je suis rendue au centre où est-ce qu'on va faire le petit yoga. Ce midi, dans le fond, je vais inviter mon amie Jess à venir manger chez nous. Parce que ce jour, je n'avais pas été chercher l'auto. Je me suis trouvée un livre avec Jess. Puis elle venait chez nous. C'était tellement bon ce que j'ai fait. J'ai refait encore des nouilles de zucchini, clairement, là, que je vais en faire souvent. C'était vraiment super bon. Avec des crevettes sautées, avec miso et érable. C'était délicieux, vraiment. Fait que je suis super contente de mon dîner. Là, je suis au centre Nazaire et j'attends ma petite poutoune qui voulait pas venir faire du yoga. Elle voulait pas pantoute. Ça, elle tentait pas pantoute de venir faire du yoga. Fait que, en tout cas, mais ça va être le fun. J'ai vraiment hâte. Je sais pas si je vais filmer. Je vais peut-être essayer de filmer un petit peu les petits bouts. Salut, Marie! Salut! Puis, c'est ça, ça va vraiment être une belle petite après-midi. Yoga et motricité, dans le fond, c'était un mix des deux. Fait qu'il faisait et de la motricité et du yoga. C'est super cute. Puis lui, il y a plein d'amis, c'est cute à voir. Puis là, les petites filles, il y a deux petites filles. Deux petites filles disaient, c'est toi la maman Philibert? J'ai fait, oui, c'est moi. C'était mignon de voir ça. Tu sais, quand on va dans des activités avec nos enfants, ils font tout le temps plus simple. Genre, moi, je sais pas comment expliquer ça, mais tu sais, ils font comme vraiment leur petit bébé. Ils voulaient, genre, ils pleuraient. Des bouts, ils voulaient pas, ils chignaient, puis ils venaient me coller. Genre, moi, c'était comme non. Alors, moi, je voyais là où je m'en vais. Moi, je tolère pas ça. Il n'y avait aucune raison de pleurer, genre. Aucune. Fait que je suis comme, alors saisis-toi! Alors saisis-toi et puis va jouer! Oh là là! Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé que j'étais. Que j'étais pas une maman réconfortante. Mais non, ça n'avait pas de rapport d'être réconfortante dans le contexte. Il n'y avait vraiment rien. C'est parce qu'un ami avait comme. Il avait comme brisé, pas brisé, mais tu sais, joué dans les blocs, là, puis là, ça l'a fait pleurer. Et quand que je suis pas là, il pleure pas pour ça, tu sais, fait que là. J'étais comme, non. Ah ouais. Et là, je suis en train de vider la vaisselle. Je suis revenue avec une maman. Qui restait proche. Ben, c'est avec elle qu'on est allé faire la journée. Réconciliation avec les gars. Je la connaissais déjà quand même. Cette maman-là. Je la connaissais déjà. C'était bien folle. Elle était bien fine de me ramener à la maison. Elle passait par là. Fait qu'il reste à peu près 4 minutes puis les gars arrivent. Pour souper, j'ai du bœuf en lanière. Je m'enligne probablement vers des genres de sous-marins au bœuf style Philly cheesesteak avec poivrons, champignons, oignons pour moi. Je vais me faire de l'oignon à côté, je n'en veux pas. Puis dans des pains à hot dog gratinés. C'est ça que je pense que je vais faire avec une petite sauce barbecue, je pense bien, avec leur sachet. Philly cheesesteak. Je vais couper salade tomate aussi pour mettre dedans. Un peu comme des sous-marins superstars du de chez Mike's. C'est si bon. Donc, voilà. Je vais faire ça pour ma vaisselle. Je la boîte en crise. Sérieux, là. On se parlera pas du lavage. J'en ai pas fait. Hein? Fait qu'il est pas, il s'est pas plus fait tout seul. Là. Hein? Qu'on se le dise, il s'est pas plus fait tout seul. Ça s'accumule. Bon vendredi. Je suis venue chercher le tôt. Il est 7h. C'est tellement beau aujourd'hui. J'aurais dû emmener mes lunettes de soleil. Je vais arrêter. Ça a été un beau matin. Hey! Inscrivons-le dans le calendrier.
ça a été un beau matin. À date, là, je suis partie. Fait que, tu sais, c'était correct. Là. Marcus est malade. Il a commencé à faire de la température cette nuit. Mal de gorge. Puis, il fait genre 37,9 température rectale. Je sais pas c'est quoi l'équivalent buccal, mais je sais qu'il fait de la température. Il veut absolument aller à l'école pour petit, parce qu'aujourd'hui, il passe son niveau, tu sais, il va faire son test de maths, puis il veut passer son niveau 11, absolument. Fait que, il va y aller. Ensuite de ça, j'ai finalement réservé mes billets d'avion. Je suis tellement déçue, là. Je filais plus dans mon intérieur parce que c'est ça. T'sais, quand tu sais que tu aurais pu payer quelque chose pas mal moins. Quelque chose de mieux, pas mal moins cher. T'sais, au même prix que tu payes quelque chose qui est de la merde, c'est comme. Si que ça m'enrage, je suis vraiment fâchée. En tout cas, c'est fait. Que voulez-vous? Comme j'ai dit, on apprend de nos expériences positives et négatives. T'sais, c'est pas négatif, je sais que ça vaut la peine pareil parce que c'est un super beau voyage puis tout, tu sais. Donc c'est ça, là, ce matin, je retourne à la maison, il est 7h15, je vais partir les gars, je m'habille en vitesse puis je m'en vais déjeuner avec Patricia! Je peux les larver! C'est Patricia qui a sa compagnie, c'est la savonnerie Bon Bain. J'adore ces choses, j'en ai déjà eu beaucoup, tu sais, je prends pas de bain dans la vie, tu sais, là. Si tu me suis plus longtemps, c'est comme tu me verras rarement dans le bain, genre deux fois par année. Ça veut dire que ma journée était crissement de la merde puis je fais plus. Mais tu sais, j'en prends vraiment pas souvent puis c'est ça, ça donne jamais. J'ai jamais aimé ça vraiment. J'ai jamais trippé sur prendre des bains. Mais là, elle est au Saguenay. Elle vient de Rouyn-Noranda puis elle est au Saguenay pour un pop-up Place du Royaume. Fait que dehors, c'est sûr que je vais aller checker ça. Puis, on va déjeuner ensemble ce matin, donc à 8h, là, on y va. Puis, j'ai vraiment, vraiment hâte de la rencontrer parce que c'est ça, ça fait super longtemps qu'on suit sur les réseaux. Elle a vraiment un beau brand, vous irez voir, Savonnerie Bon Bain, elle fait vraiment des belles choses. C'est flyé, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis, c'est ça, fait que dans le fond, je vais là aujourd'hui, on va se rencontrer pour la première fois. C'est vraiment le fun. Ensuite de ça, je vais revenir à la maison, préparer le dîner des garçons. J'ai mon amie Tania qui est supposée venir faire un tour à la maison. Puis c'est ça. Sinon, ben, ça va être bien tranquille. Ça... Hey, non, c'est vrai, ce soir. Ce soir, on a une grosse sortie. Hier, je me suis pas entraînée. J'avais mon appel de mindset sur mon groupe Facebook pour mon équipe. Puis ça a super bien été. J'étais vraiment contente. On a discuté de plein de belles choses. J'aime vraiment ça faire ça. T'sais, souvent, j'ai pas vraiment de sujet particulier tout le temps. Puis finalement, je m'en vais dans des choses que je vois le pouls de besoin. Puis tout. Puis ça a vraiment été un bel appel, je trouve. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, on va au lancement de Patrice Côté, quand je t'ai fait écouter sa musique. Fait qu'on s'en va là à 7h. En plus de ça, j'ai une autre affaire aussi que j'ai bookée cette semaine pour dans un an. C'est vraiment loin. Mais en février 2025, on va voir le show des bébés par Ludovic Bourgeois, dans le fond. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça, moi et Jonathan, on capote. On a vraiment, vraiment hâte d'y aller. On s'en met souvent les bébés, là. C'est comme... on aime vraiment ça. Ça nous rend nostalgiques et de bonne humeur. Fait que, on va aller voir Ludovic Bourgeois dans un an. Oui, c'est vraiment loin. Mais c'est ça. Ça coûtait pas cher. Ça coûtait 100$ pour moi et Jonathan, tu sais. Fait que, ça va être le fun. C'est encore loin. Puis c'est ça. Puis le 30 mars, on va voir Dominique Paquette aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est des affaires qu'on veut faire plus dans notre vie. Plus de petites sorties comme ça, de shows. Ou de musique, ou de spectacle, d'humour, on aime ça. Fait que, voilà, là-dessus, ben, j'arrive à la maison, j'étais genre en conduisant, c'est vraiment pas prudent, I know. Puis, on s'en reparle un petit peu plus tard. Je vais préparer une petite surprise à Pat, là. Je vais y emmener de mes petits produits pour qu'elle puisse... y goûter puis en profiter aussi à sa maison. Fait que voilà! Bonne journée! À tantôt! Tu
super beau moment avec Pat. Elle est extraordinaire. C'est vraiment une belle personne. Je suis vraiment contente. Elle m'a dit plein de belles choses. Elle m'a fait un petit cadeau. Puis là, hey, je m'en souvenais même plus. Je me souvenais même plus que je capotais sur le produit qu'elle m'a envoyé. Puis là, elle m'a dit qu'il y avait, c'est comme un pop-up, genre, de plein de boutiques. Je ne savais pas, moi. Fait que là, ben, je vais aller voir. Je m'en vais à la maison. J'ai tellement jasé avec Pat. J'étais allée voir le petit pop-up. Finalement, il n'y avait pas grand compagnie que je connaissais. Ben, il y avait Ken and Jane, que je sais c'est qui, là. C'est des beaux bijoux et tout. Puis il y avait Alaroc Design aussi. Et Esthétique Glow, là, qui est de Chicoutimi. Mais sinon, les autres trucs, je connaissais pas. Je connaissais pas ça. Fait que c'est ça. Il y avait Oh Babe. On a fait la même. En tout cas, fait que. Mais je me suis racheté. Je me suis acheté des affaires. Esti, j'avais pas le choix. Ça sent trop bon. Puis j'ai pris plein d'affaires hibiscus bleu et genre. Hibiscus bleu et. Souviens-toi de cette odeur. Hibiscus bleu et. Faut que tu sentes ça. C'est capoté comment ça sent bon. Fait que je vais te montrer ça à la maison. Qu'est-ce que je me suis acheté. Puis j'ai acheté une petite surprise à. À une collègue épicurienne, à une ambassadrice épicure avec qui j'étais allée au Mexique, puis que j'ai absolument adoré. C'est une ontarienne, elle vient de l'Ontario. Elle parle anglais, mais elle est adorable, sérieux, je l'aime d'amour. Puis là, j'avais pas le choix d'y acheter un petit. J'ai vu ça, puis j'avais pas le choix d'y acheter une petite surprise. Elle va rire, j'ai vraiment hâte d'y donner. Elle va être à Dallas, fait que c'est sûr et certain que j'ai vraiment hâte d'y donner son petit cadeau. Super beau dîner avec mon amie, ma nouvelle amie. Elle est vraiment fine. Je suis vraiment contente. Puis là, on a décidé qu'on venait magasiner au Costco. Quelle belle activité! Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. C'était trop une belle journée, c'était trop une belle journée pour que ça continue. Que ça continue comme ça. Ça avait bien été à midi avec les enfants. Ça avait bien été ce matin. Je viens d'avoir un téléphone, j'étais au Costco. J'allais payer là. J'ai un téléphone d'urgence. Oscar est tombé sur un meuble de bois à l'école et s'est fendu le front. Ça a l'air que c'est très profond. Fait que j'ai laissé mon Costco là. Tania va s'occuper de payer mon Costco. Je vais faire un virement. Ça n'a pas de bon sens. Elle va aller le porter chez nous. Tu sais, j'avais fini là, mon Costco. T'es plein là. C'est comme tapeux là. Sérieux là? Ça n'a juste pas de bon sens. Fait que je m'en vais chercher Oscar en vitesse à l'école. Je remonte à l'urgence, lui faire faire des points. Je sais pas comment ça va virer. Pauvre petit cœur. Fait que c'est ça. Et Tania a dit ah, pas de problème, tu vas en petite. J'étais vraiment mal. J'avais rien en dedans, ça fait longtemps. Elle veut vraiment m'aider. Là. Elle dit c'est beau, vas-y. Elle dit je vais aller le reporter chez vous. J'étais comme mais oui, non, mais gênant. En tout cas, fait que je vais essayer de me dépêcher le plus possible, puis d'aller à l'urgence. C'est le téléphone que ça te tente pas d'avoir, là. Ton enfant s'est fait mal. C'est fait faire mal, tu sais. Vraiment plus de peur que de mal, pour vrai, là. Tu sais, il y a un bon petit bobo dans le front. Mais c'est pas si pire que ça, sérieux. C'est vraiment pas si pire que ça. Fait que j'ai plein de choses à te montrer. Mon Costco. Okay, là, j'ai laissé mon Costco là-bas. C'est Tania qui est venue, qui me l'a payé. J'ai remboursé, évidemment. Tout de suite, là, c'est fait, tout est fait. Puis après ça, elle est venue me le porter à la maison. Puis là, ben, Oscar prend un beau petit bain avec les bombes de bain. Les petits fils de bain que j'ai achetés chez Savonnerie Bon Bain.
Je veux vraiment que tu ailles voir sa boutique, sérieux, c'est capoté. Puis, je vais te montrer tout ce que j'ai acheté tantôt. Mais là, avant, je voulais te montrer ce que j'ai reçu pour l'expo Habitat de Chicoutimi. Je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte. Donc, du 7 au 10 mars. Au 7 au 10 mars, pavillon sportif de Lucac. Fait que c'est ça, j'ai reçu un oreiller Avantage en mousse mémoire à base d'eau de chez Matelas Avantage. J'aimerais ça vous installer quelque part. Donc, elle est ici. Là. Elle est ici, là-dedans. Et Enzo me supplie de l'avoir. Là, j'ai fait non. C'est mon oreiller. OK, c'est mon oreiller qui sera. J'ai dit le sommeil des parents est toujours prioritaire. Mais écoute, ça doit tellement être confortable. Ça, ça m'impressionne. Hein? C'est donc bien spécial. Sérieux, là, c'est vraiment spécial. J'imagine que ça prend un certain temps à prendre sa forme initiale, là, sa bonne forme. Fait qu'on va le laisser. Ouais, déjà, ça commence à prendre vie. Tu sais. J'en ai une super oreiller, Matelas Avantage, que j'adore d'ailleurs. C'est vraiment des bonnes oreillers. J'ai reçu un petit peu moins mon style. Mes garçons vont les mettre. Donc, un gilet de la PCHQ. Un kangourou de la PCHQ, comme c'est ici. Je vais leur filer ça à mes garçons. C'est un peu moins mon genre, mais c'est bon, c'est correct. Je suis vraiment contente, c'est une compagnie que ça fait longtemps que je connais, que j'ai connue il y a plusieurs années, genre 5 ans, au salon Etsy qu'il y avait eu au hangar du Vieux-Port. Et c'est la boutique Éléments. Ça sent vraiment bon. C'est vraiment des produits incroyables que j'aime beaucoup. C'est fait ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment. Et elle fait aussi des bougies. Là, j'ai reçu un super beau savon. Un savon à la main. Élément de vie. Ce qui est particulier avec la bougie, c'est qu'elle fait des beaux couvercles. Comme ça, ici. Personnalisé. T'es trop hot. J'adore. J'adore ça. C'est vrai que je trouve hot. Mais pour vrai, c'est vraiment cute. J'aime ça. Elle sent divinement bon. Elle, la senteur que j'ai, c'est bord de mer. Puis, tu sais, à quel point j'adore que ce soit écrit « T'es trop hot ». Ça fait vraiment des beaux cadeaux à offrir à mes filles qui se démarquent dans leur compagnie. Regarde-moi ça, la belle planche à découper. Écoute, je pourrais pas prendre ça pour découper. Viens pas ici, t'es tout nu. Va en bas te chercher des bobettes. Donc, c'est une planche en bois pure de forgé bois. Vraiment une belle planche. Ça va être beau sur mes présentations. J'aime vraiment ça. Mèche en beau cadeau. Et évidemment, j'ai mes billets. J'ai deux beaux billets privilèges. Donc, je suis super contente. Je vais pouvoir aller profiter de ça. Je vais aller te montrer maintenant ce que je me suis acheté de la savonnerie Bombin. Pour la savonnerie Bombin, je vais te montrer un peu son branding qui est super cute, genre vraiment un peu comme un peu bande dessinée. Mais tu sais, plus genre ouais, bande dessinée années 70 un peu là. Donc, je me suis acheté des petits galets de douche qui je vais pouvoir mettre dans ma douche. Moi, j'ai pris eucalyptus. J'adore cette odeur d'eucalyptus et menthe. Là, tu montres déjà le cadre. Hein? Ça sent les petites menthes qu'on se met dans la bouche. Là. J'adore ça. Ensuite de ça, ouais, tantôt. Ensuite de ça, un gros produit coup de cœur. Ah! Des petites perles de lune. C'est un pot-pourri fondant de la lune, comme ça ici. C'est comme la cire Sensi, dans le fond, mais avec l'odeur bleuet, hibiscus et bleuet.
C'est intense comment ça sent bon. Je me suis acheté des petits fizzies comme ça pour les garçons, pour dans les bains spéciaux. J'ai déjà essayé. Ouais, parce qu'il y en a pris un, là. Ça a pris 2 secondes, genre. En tout cas. Et ensuite, j'ai aussi, elle m'a donné le baume de la tricoteuse, est-ce que c'est pour qui est une crème, une barre en, crème, pour toi? Comme ça ici, que tu frottes dans tes mains. Oui. Tu frottes dans tes mains, comme ça, là, puis ça devient. Tu hydrates ta peau, là, ultra hydratante, là. Tu sais, si tu es infirmière, tu travailles dans un milieu où est-ce que tu te laves les mains, comme dans les restaurants, énormément souvent, puis que tu n'en viens pas à bout de ta peau, là. Parce qu'elle devient craquelée, puis tu es tout le temps en train de te mettre des mains, des, l'eau sur les mains, mais c'est vraiment là, un beau produit. Pour vrai, je trouve ça super intéressant. Et Manchurian, ça s'appelle comme ça l'odeur. Ça sent super bon. J'aime vraiment ça. Donc, j'ai acheté ça. Elle m'a offert 3 belles bombes de bain qui ne causent pas de vaginite. Garantie à 100%. Ça sent bon. Hibiscus bleuet, là, c'est comme la meilleure odeur. T'inquiète, tu peux comme voir un peu, là. J'adore. Je trouve ça vraiment bon. Elle, c'est... Oui. Ensuite de ça, je me suis acheté un savon. Un truc pour ça, le savon à main. Dans le fond, c'est des petites pastilles. Tu mets une pastille, puis tu remplis ça d'eau. Une petite pastille comme ça, puis ça fait du savon en mousse pour te laver les mains. Puis il y a plein d'odeurs. Donc, elle m'a donné le nouveau Mango Loco. Ça sent trop bon. Puis moi, je me suis acheté hibiscus et bleuet parce que c'est vraiment la meilleure senteur que j'ai jamais sentie de ma vie. Puis quand je suis allée au Mexique, j'ai mon ami, les garçons trouvent ça très drôle. Sacré. Oui, c'est un mot sacré qu'Oscar dit. Elle fait des bombes de bain avec les expressions québécoises. Et j'ai acheté le bon de bain à mon amie anglophone qui apprend à parler français, mais elle capote ce mot-là. Genre. On l'a dit tout le long, c'est comme un running gag. J'avais pas le choix d'y acheter, c'est comme, elle fait pas partie de mon équipe, elle fait pas partie de ma gang, mais j'avais pas le choix d'y acheter la bombe de bain. Tabarnak! C'est vraiment drôle. Fait que j'ai foulard de la voir à Dallas pour y donner son petit cadeau. Genre, c'est vraiment cute. Fait que. Non, c'est pas cute parce que. Oui, c'est drôle. C'est juste drôle. Puis, encore une fois, elle m'a amené mon produit chouchou dans le temps. Je m'en rappelais même plus. Je me sentais mal de ça. Je ne m'en souvenais plus. C'est que je capotais de même. C'est vrai. Puis, c'est un démêlant à cheveux extraordinaire qui faisait vraiment, vraiment la job. Elle fait aussi en parfum d'ambiance, genre, elle n'avait pas parce que sinon je l'aurais acheté. Sérieusement, cette odeur-là est folle. Elle est folle. Folle, folle, folle. Ça sent vraiment trop bon. Arrête, s'il te plaît. Donc, c'est ce que je me suis acheté aujourd'hui pour encourager ma belle amie. Et je suis vraiment contente de l'avoir vue. Puis, elle m'a dit des gros merci parce que dans le temps, elle dit, tu comprends pas comment est-ce que tu m'as aidé dans mon entreprise. Au début de la pandémie, tout ça, tu sais, j'étais comme, ah, oh, ouais, tu sais, je ne m'étais pas aperçue de tout ça. Là. Fait qu'elle était vraiment très, très reconnaissante. C'est vrai que j'ai acheté une bombe de bain qui dit tellement. Oui, mais on ne leur dira pas, là. J'ai hâte de prendre ma douche. À soir, je n'irai pas m'entraîner encore. Genre... Mais elle va prendre un spectacle. Oui, tu vas être correct, toi? Ouais. Fait que finalement, c'est ça, Oscar, sa petite blessure, c'est beaucoup moins pire qu'on pensait. Il faut y aller avec un petit point de rapprochement. Parce que c'est sûr que si je vais à l'urgence avec ça, je vais passer la nuit là. Pour finalement me faire dire, vous auriez dû mettre un point de rapprochement, madame. Fait que si je vois que son état se détériore, puis tout, à ce moment-là, on changera. Fait que je vais vider mon Costco, puis je te montre tout ça. Alors, le plein de ramen. Elliot m'a demandé des bagels. Il m'a demandé aussi des croissants. Du lait, évidemment. Oups! Lait au chocolat pour leur faire plaisir. 2 fois des fraises comme ça. Du Nutella. Je n'avais pas acheté la dernière fois.
Ils ont été en sevrage de Nutella. Je me suis taché du chocolat à 82% comme ça pour faire enrober mes boules d'énergie. Je me suis acheté du zucchini parce que c'est tellement bon ce que je me suis fait avec mes petites nouilles de zucchini. J'ai acheté des bas aux garçons parce que c'est sûr, clairement qu'on en manque tout le temps des bas ici. Puis, ben, c'est pas qu'on en manque tout le temps, parce que, tu sais, c'est sûr, on les retrouve jamais. Fait que là, j'ai trouvé, c'est vraiment mignon, on sport un peu. Puis, je vais racheter ça. J'ai acheté, parce que là, ce soir, Enzo veut pas garder. Puis, fallait que j'aille des arguments de béton, genre, qui donnait mon oreiller. Puis, j'ai acheté des petites cochonneries parce qu'ils vont écouter des films. J'ai acheté... Des chips Ruffles. J'ai acheté des crevettes. Écoute, j'ai passé au travers mon sac cette semaine. J'ai acheté la maillot Hellmann's comme ça parce qu'elle était en spécial. Le Unstoppable comme ça est en spécial aussi. Compote de pommes. Une manière de poisson comme ça est en spécial. Donc j'en ai acheté, mes enfants aiment beaucoup ça. J'ai acheté des pommes. Encore des pommes. Il m'en reste deux. Mes enfants aiment bien ça, je les coupe là. Ils adorent ça pour leur collation. Je me suis acheté des pocs à la vaisselle. C'était en spécial des poivrons. Puis là, j'étais contente parce qu'il y avait plus de rouge. OK, et hey, là, tu comprends pas. Tu peux pas comprendre à quel point que j'avais pas le choix à les acheter. Là. C'était tellement cool. Hein? Est-ce que tu connais Zach le magicien? Non. OK, check ça là. Ça, tu comprends. J'avais pas le choix. Hein? Tu comprends-tu? C'est des petits cuillères là. Trop mignon. J'ai acheté des nuggets. Je les avais cette fois-ci. C'est vraiment ceux-là que j'aime, moi. Au Costco, les autres sont pas bonnes. Je les aime pas. Donc, ici, encore des fraises. Je me suis acheté, ça coûtait un prix de fou. Mais j'avais vraiment le goût de m'acheter du saumon fumé. Ça va être délicieux. Ce matin, c'est ça que j'ai mangé une toast à l'avocat, puis j'ai mangé du pain, puis j'ai vraiment mangé beaucoup de glucides aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée glucide et je m'entraînerai pas, genre, c'est comme... Je suis comme un peu stressée de tout ça, mais bon. Ça va arriver encore, des bananes. J'ai acheté deux fois des Yop, comme ça, il est en spécial. Cucumber, deux fois des paquets de Prime. J'ai acheté du jus aussi pour les enfants. Je dis que j'avais pas de chiolage à soir. Je n'aurais pas. Et je l'ai acheté, je suis tombée sur Carlos. Carlos, le carlin d'amour. Tu sais, c'est fini la Saint-Valentin, mais l'amour, on célèbre ça à l'année, hein? Fait que, puis on sait que la mienne a été un petit peu de la chenoute. Mais là, je le trouvais trop mignon. Il est lette. Il est lette, Carlos, mais mes enfants tripent dessus, genre. Il y a vraiment ça. Philibert va être content. Puis Oscar était content aussi, hein? Il était content, Oscar, d'avoir un livre de Carlos, hein? Ouais. C'est Carlos d'amour. Ouais. C'est un livre de bébé, là. Tu sais, mais c'est mignon. Parfait pour Philibou. Je te dis. Voilà pour mon Costco cette semaine. Donc, c'est ça. Là-dessus, ben, je vais pas fermer mon vlog parce que j'ai sûr que j'aimerais ça filmer ce soir au lancement. Mais c'est ça. Je vais aller m'occuper de mon beau petit Oscar. On a encore un petit peu de temps avant que les grands arrivent. Il reste 40 minutes. Fait qu'on va aller se coller. Pour petit cœur, il avait tellement de la peine quand il m'a vu. Il est parti à pleurer, tu sais bien. Fait que c'est ça. Fait que moi, je suis contente qu'il y ait plus de peur que de mal. Puis que ce soit pas si grave que ça, finalement, parce que clairement, j'étais sûre que c'était profond. Là. Je m'attendais à un trou, là. Tu sais, un trou profond, mais tu sais, ça n'a pas de l'air si pire que ça. T'sais, j'ai mis un petit point de rapprochement, puis ça devrait être bien correct comme ça. Donc, attends, oui. Je suis tombée d'un petit biscuit en forme d'ananas. Un bon petit sablé, là, comprenez? Puis, je vais chercher papa. C'est
ça, il est 4h30, je vais chercher Jonathan. J'ai pris ma douche avec un petit galet de douche. Ça sentait vraiment bon. Puis, à toutes les fois, souvent, c'est dans la douche que mes idées arrivent. Tu sais, je vais donner une formation à Dallas, là. Puis, c'est sous forme d'entrevue un peu. Fait que là, j'ai répondu comme à ma dernière question. Elle est comme bien contente de ça, d'avoir trouvé l'inspiration pour ma dernière question. Fait que c'est ça. Je me suis lavée, je me suis rosée les jambes, puis on va se préparer pour aller là-bas. Oscar va bien, il se sentait fatigué un peu tantôt. Ça leur saignait un peu aussi son petit bobo. Mais tu sais, pas plus que ça. Il n'y a pas de... Il y a un petit peu de mal de tête à l'occasion. Puis, on se repart. Salut, Jonathan! Salut! Fait qu'on est. On s'en vient au lancement, dans le fond. Il est presque 7h. Fait que ça va être belle. Marcus ne dort pas encore, on s'en doute. Mon petit bébé, ils sont tout collés. Oh. Moi, je suis gelée, j'ai tellement froid. Je vais aller me coucher dans mes doudous.